Un village isolé sur la côte, à l'ouest d'Abidjan. Ici, à Grand Laou, les hommes pêchent la crevette. La mer les a toujours fait vivre, mais aujourd'hui, elle tue leur village. Depuis 10 ans, l'érosion s'est emballée. L'océan avance de 60 cm par mois. De plus en plus d'eau, de moins en moins de terre, les habitants ne cessent de reculer. Auparavant, on était devant là. Et la mer nous a chassés. Nous sommes venus tout juste ici, où se trouvent les dalles là. Nous habitons là. Et la mer nous renvoie encore. On est maintenant dans les étages. Et la mer nous poursuit encore tout le temps. On ne sait plus où il faut partir. Du temps des colonies, Grand Laou, c'était ça. Un comptoir important, de nombreux commerces et des grandes maisons. Les palmiers sont restés, mais les maisons disparaissent, englouties par l'océan. Sous les pas de Dominique, un pêcheur, c'était la grande rue, il n'en reste rien. Quant au phare, il faisait la fierté des villageois. À l'époque, il était à 400 mètres du rivage. Le phare n'était pas construit dans l'eau, là. Après le phare, il y a 5 rues qui sont tombées dans la mer, qui sont allées dans la mer compte tenu de l'érosion. Donc, c'est pour vous dire à quel point la mer avance à grands pas. Ces dernières années, à cause de l'érosion, les 3/4 des habitants ont rejoint la grande ville à l'intérieur des terres. Ceux qui restent, comme Dominique, devront bientôt quitter le village et dire adieu à leur mode de vie. On aura des regrets, ça va nous faire mal parce qu'on aura perdu beaucoup de choses, mais on n'a pas le choix. Sous la case traditionnelle, le chef, entouré des anciens. Tous ici tentent de comprendre pourquoi leur village disparaît. Nous, on ne sait pas pourquoi ça monte la mer. Vous voyez, Dieu n'est pas content. Dieu. C'est la sorcellerie. Ouais. La sorcellerie. Africaine. Ouais, la sorcellerie africaine. C'est les fétiches, souvent venus même les trucs dans la mer, jeter les canaris, les cérémonies, les bizarres. Mais la sorcellerie, les scientifiques n'y croient pas. Dans cet avion qui décolle du Bénin, des chercheurs du monde entier. Bardés d'électronique, ils découvrent qu'ici, dans le golfe de Guinée, la température de l'eau augmente. Le phénomène aggrave l'érosion. Plus de chaleur égale des moussons plus fortes et des côtes plus fragiles. Autre inquiétude, dans l'Arctique, la fonte des glaces s'accélère. Résultat, le niveau des eaux s'élèvera de 50 cm au moins avant la fin du siècle. Un réchauffement dû aux activités humaines, et ça, Dominique l'a bien compris. Tout le monde est à l'origine, on ne peut pas accuser. Je peux aussi accuser un peu la grande avancée de la science. La science qui fait assez de progrès, mais tout en faisant des progrès, des inventions et autres, on arrive aussi à se faire du mal quelque part. Mais ainsi va le monde. Côte d'Ivoire, Bénin, Togo, Ghana, les villages engloutis se comptent déjà par dizaines sur cette côte d'Afrique. Ailleurs, de l'archipel de Tuvalu dans le Pacifique jusqu'au village de Chichmaref en Alaska, même processus. Selon les scientifiques, à terme, à cause du réchauffement climatique, des centaines de millions de personnes vivant sur les côtes devront partir.